Bonjour à tous les amis, c'est GD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, on va s'en servir une couche, c'est parti. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, c'est la fin de semaine, les raids viennent de commencer, donc je me suis dit pourquoi pas faire les attaques de raid avec vous. Bon, en réalité j'en ai déjà fait une, mais ça c'est parce que j'ai mis clic, mais c'est pas grave. Du coup on va se faire ça ensemble. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'attaque en même temps, même si c'est une compo que vous avez déjà vu, vous m'avez déjà vu attaquer avec. Et ben, je vais vous montrer un petit peu comment j'attaque et on va faire ça ensemble. On va attaquer en super mineur. Du coup, voilà, c'est cette compo, je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo précédente. Donc voilà, je vais pas vous mentir, je joue un petit peu YOLO. Cette compo, je la joue un petit peu comme ça, sans prise de tête, sans rien de stratégie. Parce que cette compo permet, on va dire, de péter la plupart des villages en deux coups. Donc ça, c'est vachement bien. Cette compo, elle est vraiment faite pour ça. Détruire un maximum les villages en deux coups. Et ça, on va dire que ça marche quand même plutôt bien. Parce que bah, c'est très efficace, c'est très très joué également. Les super mineurs, malgré qu'ils ont pris un nerf dans une des dernières mises à jour, bah mine de rien, ça fait quand même plaisir, ça fait quand même le taf. Les super mineurs font quand même le taf, ils font quand même pas mal de dégâts. Ils ont quand même relativement assez de points de vie, même si attention à certaines défenses comme l'artillerie roquette, l'arc rapide, la tanière de Gringo, ici c'est très très fort. Également le lanceur de barils de gobelins, c'est extrêmement chiant pour les mineurs. Et également le multicanon. Le multicanon, c'est même une des grosses défenses qui contre le plus les super mineurs, parce que ça envoie, ça fait vraiment beaucoup de dégâts en cible unique sur les super mineurs. Donc ouais, ça fait vraiment beaucoup de dégâts les multicanons, et c'est vraiment une des défenses à cibler en priorité pour les super mineurs, essayer de bloquer les multicanons pour essayer de faire en sorte que ça avance un maximum. Voilà, en tout cas ici, hop, ok, on a fait 41%, donc c'est pas dégueulasse. Ça va, c'est pas dégueulasse. On aurait pu mieux faire, mais en vrai, ça va. C'est pas non plus horrible. Je pense que ce gel-là aurait pu être mieux joué, par exemple. Ici, regardez, on a un gel de qualité ici qui va prendre la tanière et le multicanon. Donc là, c'est un bon gel de qualité. Hop, on va envoyer un mineur ici. Et je pense qu'on va envoyer le reste comme ça, sur une petite ligne comme ça. Ça peut être pas dégueulasse. Écoutez, hop, ici, on va envoyer le soin ici, vu qu'il y a un multicanon. On va l'envoyer là-haut. On va garder notre petit zap, il peut être utile. On va voir un petit peu comment on va pouvoir le jouer, mais je pense qu'il peut être utile, le petit zap. On va le garder sous la main, on va le garder sous la main. Peut-être qu'il sera utile pour zapper un multicanon, on verra. En attendant, là ça va, ça avance plutôt bien. Ouais, ça avance relativement bien. Bon, là-haut il est mort, donc ça veut dire que, est-ce que ça avance si bien que ça, je ne sais pas. Hop, on zappe ça, parfait. Voilà, comme ça, ça vous fait gagner un petit peu de temps. Let's go. Bon, là pour le coup on va pas détruire en deux coups, ça va surtout être, je pense, plus en trois coups, mais bon, ça va, en vrai ça va, on arrive à faire. Généralement je fais des 30 000 avec ça, des 30 000 joyaux, donc ça va. Et c'est généralement le parc à squelettes, c'est pas le meilleur district pour les super mineurs, même si ils s'en sortent quand même bien puisque je joue, mais c'est pas le meilleur district. Le district plus compliqué pour les super mineurs, ça va être la phase des dragons, le parc à squelettes et les mines goblins. Ça va être vraiment ces trois là qui vont être, ou ça va être dans le bal. Également le sommet de capital, ce qui peut être un petit peu dans le dur, même si ça se fait bien, même si ça se joue bien, ça peut être un petit peu dans le dur. Voilà, hop, bon, déjà on va terminer ça vite fait, on va le finir. Hop, le truc là, il a un HP, c'est terrible. Et aussi un des problèmes quand on joue les super mineurs, évidemment, c'est que souvent on n'ouvre pas les bases, ce qui fait qu'on se retrouve à les poser relativement loin et relativement pas là où on voudrait les jouer. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ok, il m'en reste un, hop, on va l'envoyer là. Voilà, il sert pas à grand chose, mais on va l'envoyer quand même. Donc là vous voyez, en 3 attaques on a fait 11 000, on va réussir peut-être à faire 12 000, c'est pas incroyable en vrai. C'est pas incroyable, mais comme je vous l'ai dit, c'est un district qui est quand même relativement difficile pour les super mineurs. Vous voyez, ouais, on a fait 12 000. À l'heure actuelle, on est à combien? À l'heure actuelle, on est à 14 000 en 4 attaques. C'est pas un truc incroyable, clairement. C'est pas incroyable. Je vous le dis, c'est pas une des meilleures sessions que j'ai pu faire. Loin de là. Ok, le mec, il a fait une base un peu relou. On va attendre pour poser
pour poser nos sorts. Déjà, on va envoyer une petite ligne ici. Et on va attendre, ouais, pour envoyer nos petits sorts. Parce que là, la manière dont il a tout posé, c'est un peu tout éloigné. On va voir un petit peu ce que ça va donner, en vrai. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense qu'on va envoyer le soin de ce côté ici. Et je vais envoyer mon petit gène ici. Parce qu'il prend quand même deux grosses défenses. Donc, pourquoi pas, il peut être utile, en vrai. On va voir un petit peu dans tous les cas où c'est que ça avance. Dans tous les cas, vous le savez, les sorts sont disponibles sur deux attaques sur la capitale. Donc, au pire des cas, il sera peut-être plus utile sur la deuxième attaque. Hop, en tout cas, ici, on zappe. Est-ce que ça fait en sorte que ça aille sur le canon? Pas du tout. Plutôt sur la baliste. Non. Par contre, ici, peut-être qu'il va aller... Ok, j'aurais préféré sûrement qu'il aille sur le unité mortier. Il aurait peut-être pu le détruire plus facilement. En tout cas, on a déjà fait le 50%. Donc ça, c'est vraiment pas dégueulasse. Et ça va continuer encore sur le haut de la base. Voilà, ça va peut-être détruire la bombe aérienne. Hop, ok. Est-ce que ça peut aller sur l'arc rapide et le détruire? En tout cas, ça va aller sur l'arc rapide. On rappelle que les spires mineurs fonctionnent un petit peu comme les TDE. Et ça avance au fur et à mesure. Ça ne va pas la détruire. Mais ça fait quand même une relativement bonne attaque. Et écoutez, on va se faire une dernière petite attaque. Voilà, ça va être the last attack, la dernière attaque. Où c'est qu'on va envoyer notre gel? Notre gel, j'ai envie de l'envoyer ici. Très bien, il prend deux défenses. Il est bien placé. Hop, ensuite, on va envoyer le reste de ce côté. Ça peut faire sûrement pas mal de dégâts. En tout cas, ici, ça va aller détruire un petit peu tout ce côté-là. Donc, peut-être envoyer un petit zap par ici. Pourquoi pas? On va voir un petit peu ce que ça va donner. Hop, en tout cas, on a toujours des grosses défenses qui tapent. Donc, on va sûrement quand même soigner par ici. Bon, ok, ils sont pas du tout revenus là où je voulais. Mais c'est pas grave, là, ils vont y aller et ils vont se faire soigner. Voilà, parce que là, il y a quand même beaucoup de grosses défenses qui tapent. Donc, je pense que le soin était utile. Surtout que les défenses sont améliorées. Hein. C'est pas des défenses au niveau 1, là. Là, le clan adverse, ça a bien amélioré la carrière. Toutes les défenses sont pas max, mais il y a beaucoup de défenses qui sont d'un niveau relativement correct. Donc, attention, honnêtement. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est déjà à 20 000. En vrai, ça va. On a plutôt bien avancé. Tout à l'heure, on était à 12 000, donc on a fait 7 000. Rien que sur la base, en deux attaques, on a fait 7000, ce qui fait que, ouais, là, on est plutôt pas mal. Du coup, on est environ 21 000, il me semble. Et ça va continuer à progresser. On va voir jusqu'où ça peut aller. Hop, ici, ça va peut-être détruire le petit broyeur. Ouais, ça va continuer encore à progresser un petit peu. Ok, j'aurais préféré qu'ils aillent vraiment sur le multicanon, mais ils sont pas allés sur le multicanon. Ok, bon, au final, ça va pas détruire, ça va faire un petit 92%. On aura pris 5000, c'est pas dégueulasse. Du coup, on s'en sort au final avec un 24000. Bon, c'est pas dégueulasse, c'est pas le mieux que j'ai fait, mais ça va, ça reste correct. Hop, on va faire le petit arc rapide. Écoutez, on va poser 21 000 sur l'arc rapide, comme ça, il sera presque fini. Il va manquer 7000. Et puis voilà, si vous voulez voir le point sur la capitale de clan, j'en ai fait une vidéo récemment sur la chaîne. Voilà, vous pourrez aller check. Et donc du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est sur les jours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Clash of Clans, les prochains lives également. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, à la partager et à me suivre sur Thread, Twitter, Instagram, Discord et Twitch. Tout lien sur la description. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi. C'était GD. Et moi, je vous dis à tout le monde.